Salut à tous les amis, c'est Fanta et je ne voyais pas trop où je suis, à part ce magnifique drapeau français. Je suis en compagnie de mon ami Bob Lennon là-bas au loin. Salut Bob! Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et comme vous pouvez l'entendre, j'ai la voix complètement déglinguée du fait d'avoir rencontré mes fans à Grenoble, à Natural Games. Alors, je vous prie de m'excuser tout au long de cet épisode. Et là, il y a Fanta qui est tout en haut. Alors, Fanta, tu vas sauter? Saute, saute, Je vas-y, saute, je fais-le, saute, je fais-le! saute, je saute, je saute. Il a sauté, il a craqué! Alors, Voilà. tu sautes finalement pour mourir sans pitié sur simplement le premier étage de, vous l'avez deviné, pour ceux qui l'ont vu de tout en haut et qui connaissent, pour nos amis parisiens. Donc là, La je suis sur Tour la limite de Eiffel. ah, la Tour Eiffel, la seule et unique motherfucking Tour Eiffel. Alors, le seul et unique, c'est pas vrai, il y en a une à Las Vegas, je crois, mais elle est plus Tout petite. à fait, elle est toute petite. Alors aujourd'hui, ça va être un Fanta Bob Show spécial où on va vous faire rêver avec des constructions complètement dingues. Hein, d'ailleurs, en fait, il s'agit d'une ville qui nous a été proposée, qui a été faite par un serveur qui fête ses 1 an depuis très peu de temps et a une vingtaine de personnes environ. C'est pas un serveur qui souhaite être particulièrement connu, c'est juste qu'ils ont eu une passion, c'est de reproduire une ville qui reprend les grands bâtiments des grandes villes du 19e siècle. Voilà. Exactement. Et voici Fanta. Tiens, regarde, hop, bon, ça vous fait un petit effet graphique, mais c'est une potion de vitesse qui nous permet d'aller encore plus vite. Ah, Parce pas que, con. chers amis, il faut savoir que cette map est immense et nous n'avons que 30 minutes devant nous. On essaie de se limiter quand même parce que Voilà. vous On va comprenez. sûrement voler pour l'occasion parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Il faut Ça fait savoir très qu'ont été reproduits fidèlement une ville qui reprend les grands bâtiments de Paris, Londres, Prague, Moscou. Et j'en ai oublié tellement il y en a que Exactement, il y en a toutes les plein. rues ont été nommées, qu'il y a même des métros, des catacombes, que tous les bâtiments ont été meublés. Donc Exactement. Et complètement d'ailleurs, dingue. je t'invite à continuer un peu plus loin que la Tour Eiffel, de l'autre côté de la pyramide de Ra. Ah, mais non, t'es déjà parti, ok. T'es Ouais, déjà d'accord. parti. Alors, je ne sais pas ce qu'est ce bâtiment, on se posait la question, mais en tout cas, c'est magnifique. C'est un grand dôme de verre. À l'intérieur, il y a une scène, des statues. Et j'avais l'impression que c'était une galerie marchande, mais je me trompe sans Voilà, doute. c'est le centre commercial Carrefour du 19e Ah, siècle. tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux voir ce dirigeable, Fanta? Oui, tu veux dire la montgolfière qui est La là. montgolfière, exactement, une montgolfière, excuse-moi, un Je vais dirigeable. essayer de pas te perdre de vue, là je zoome, ouais c'est cool. Hop, je Montgolfière. sors des nuages. Donc là, j'en ai un observatoire. Enfin, on va essayer d'aller vite. C'est assez difficile hein, de présenter tout ça. On est tellement dépassé par la taille du truc. Exactement. Ah oui, et Fanta, attends, regarde ici, en face de toi, là, filme ça. Ça, c'est pour la symbolique, chers amis. Je vous annonce, ceci est une copie. Cette map est une copie, ça n'est pas l'officiel. Regardez ce que je fais, même s'il y en a. Ouais, tu griffes, c'est pas bien, on n'aime pas le griffe, machin, et tout. Les mecs, c'est un clone, c'est un faux, on a le droit, vous pouvez, regardez. C'est pas grave. Mieux, c'est drôle. Alors, reculons. Voilà. Terrorisme! Terrorisme! Voilà. Donc je ne sais pas quel était ce monument ni à quelle nationalité il appartient et auprès de ceux-ci, je m'excuse. Cela dit, c'était pour l'exemple, c'est parce qu'il traînait. Mais voilà, ouais, c'est pas grave, on va survivre. Donc on avance, on progresse. Voilà. Voilà. Alors, on va voler un petit peu. On a fait un petit peu le tour. C'est tellement énorme ce qu'ils ont préparé. Voilà que. Après, voilà, c'est quand on voit La taille, c'est la juste. minutie. Exactement, c'est juste gigantesque. Regardez-moi cette ruelle là, faite avec des arbres. Ils sont plantés à la perfection, ils sont taillés. C'est vrai qu'ils ont été créés pour que j'y mette le feu. C'est juste sublime. Regardez ça, c'est magnifique. Je déconne, bien sûr. C'est la gratuité. En plus, il ne se répand pas bien ce feu. C'est du grand n'importe quoi. Excusez-moi. Tu vois, tu sais que vous pouvez voir l'étendue des rues qui a été construite. Et il faut savoir que Fantôme a avoué quelque chose. Oh putain, il y a un tram ici, c'est Ouais, pété. ils ont fait tout un système de Ah. trams, toutes les rues ont été nommées. Il est super fait en plus. Travail d'orfèvre, je vais vous mettre une petite carte, enfin une petite. Vous allez voir un petit peu l'ampleur du truc, hein, c'est la carte du serveur. Et vous allez voir qu'on se croirait carrément dans SimCity, quoi. Exactement. Donc, Terroriste! là, je sabotage, je sabote la voie de tram, voilà. Et que fait Spider-Man? Où est Spider-Man pour sauver tous ces gens? Ah, ça met du drama. Alors, Écoute. je repars dans les airs pour essayer. Ah, tu m'avais expliqué que tous les bâtiments étaient meublés. Ça, c'est incroyable aussi. Ouais, il y a des chambres, tout est meublé. Enfin, ça dépend des endroits où on va. Là, on dirait. C'est quoi ce drapeau? C'est pas le Danemark? Non, c'est j'aurais dit que c'était l'Angleterre, mais d'habitude, il est décalé, il me Non, semble. non, non, ça doit être en rapport avec Prague. Désolé, on a vraiment. Nous, on est. Voilà, on n'est pas à l'école.
Exactement, ça ressemble au drapeau anglais, mais normalement la croix est désaxée pour le drapeau Si anglais. un Là, jour vous elle est. voulez faire des vidéos et avoir l'air de ne pas être aussi con que nous, révisez bien vos cours. J'aurais dit soit c'est la Croix-Rouge, soit c'est la Suisse. Non, je déconne. Les couleurs sont pas les bonnes, mais bon. On Mais part sinon, par regarde. ici. Il faut savoir que le serveur est visitable, hein, j'imagine qu'il Reviens au sol, reviens au sol. Par contre, reviens au sol, ne serait-ce que pour donner l'impression aux gens qui nous regardent. Regarde ça, regarde cette rue. C'est-à-dire, on s'y croirait, quoi. Regarde là, il y a un y a. magasin. C'est Oktoberfest, quoi ça? quartier allemand, Docteur quartier Pi. breton. Horloger, rentre ici. Rentre ici, rentre ici, rentre. Voici un horloger. Le mec a réussi, simplement en mettant horloger à l'entrée, à nous suggérer que toutes ces saloperies au mur, c'était des horloges. Et il y arrive. On y Voilà. croit. En sachant qu'il C'est. nous a filé un pack de textures, mais finalement, j'utilise mon petit préféré qui s'appelle Brown and Blum. Et ça rend encore mieux, je trouve. Vous le retrouverez en descriptif de l'épisode. D'ailleurs, c'est un truc que je t'avais pas dit tout à l'heure, mais regarde, au sol, tu vois qu'il y a des boîtes à musique, et il y a tout un système de. Tu as coupé le son, toi, j'imagine, donc Non, c'est non. difficile. Mais il y a tout un système de redstone qui fait que ça fait. D'accord. Comme ça. Donc, Ah, quand non, tu je rentres n'entends dans pas. l'horlogerie, tu entends le tic-tac des horloges, enfin, un tic-tac, hein, mais bon, tu peux pas en mettre 10 000 non plus, des horloges sur le mur. C'est pété! C'est Ouais, complètement là il pété! y a un Et à côté, passage. Ouais. hôtel Guillemont, entrée véhicule, bon, on n'a pas de véhicule, Donc, mais bref. nombreuses universités, bâtiments, tribunaux, opéra, cathédrale. Beau, c'est beau, Si c'est tu beau. veux me Bref. retrouver, mon petit Bob, je te conseille de prendre la carte et de me suivre. Là, Je t'ai c'est. retrouvé, je t'ai retrouvé, je te suis, je te On suis. est dans une rue probablement. Rolol. D'ailleurs, je vais me remettre un petit coup de plage C'est quoi potion de ça? vitesse. J'arrive, 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 je suis juste derrière Ah, toi. regarde, sympa la petite statue d'un cavalier. Oh, oh, mais c'est magnifique ici. Ouais. Alors par contre, côté culture générale, bâtiments et monuments, on est des quiches lorraines, je dirais, donc complètement pardon. C'est juste que, putain, mais c'est... on n'a pas besoin d'être des experts pour apprécier, au moins. Ouais, tout à fait. Ah bah tiens, Botschaft des Reich, Ambassade. ambassade du Reich. Ah, donc c'est allemand. Allons voir dedans un petit peu comment ils ont équipé ça. Alors, il faut savoir que depuis le point de spawn, hein, sur le serveur, il y a un monument aux quêtes et il y a possibilité de. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, exactement, c'est comment s'appelle? C'est agent. 117.2, OSS 117.2. Oh mon Dieu, c'est avec Jean Dujardin, bien évidemment, un truc. C'est complètement raciste ce film, mais c'est tellement poussé à son paroxysme que ça en devient absurde et qu'on sent que c'est une satire, que c'est une parodie, bien évidemment. Mais le Je cherche une liste de noms d'anciens nazis. Il y a sûrement une Le site de la association BAD. d'une amicale d'un club d'anciens nazis. Et c'est vrai que c'est assez cultissime. Ah, c'est magique quoi. Il va voir l'ambassade allemande parce qu'il recherche donc un nazi qui s'est enfui. Il va voir l'ambassade allemande, je crois au Brésil ou un truc comme ça, et il demande s'il n'y a pas une amicale d'anciens nazis. Tiens, viens voir cette bibliothèque, C'est Bob. complètement raciste, c'est dégueulasse. Oh putain, j'ai réussi. Et Évidemment. n'empêche qu'ils ont réussi à ne pas se faire détester par les médias français en faisant de l'humour sur les juifs, c'est quand même assez rare. Ah, en même temps, c'était pour tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est en même temps, ce film, Ouais, il il est est tellement tellement con. global. Il englobe tellement tout le monde et les Français en premier, hein. Les Français en Ah bah oui, premier. parce qu'il est caractéristique du français Ah, chauvin, un c'est peu beauf, quoi. la grosse caricature du beau chauvin français magique, quoi. C'est pour ça. Et c'est tellement de l'autodérision, de l'auto-humour que tu regardes ça, t'es là, mais lol, quoi. Et quand ton tour arrive, entre guillemets, quand ton tour arrive, toi aussi, tu te mets à rigoler parce que tout le monde y est passé, Moi, quoi. C'est pour ça. j'ai préféré le 2 au premier, il était excellent. C'est exact. Cela dit, putain, mais c'est Tiens, beau! C'est. viens voir la cathédrale ici avec les Oh échafauds encore. putain! Pardon, excuse-moi. La vache! Mais c'est obscène! Et les échafauds, ça c'est culturel, ça, non? Non, échafaudage, comme si elle était en cours de rénovation, tu vois. Rénovation, d'accord, je vois. Ou de Putain, construction. ça aussi, ça doit être pas un super métier, mais ça doit être enfin, si, ça doit être un super métier, mais ce que je veux dire, ça doit être un métier de psychopathe, rénover des Des cathédrales cathédrales, hôpitaux. ouais. Déjà, comment Tiens. tu fais pour savoir à quoi elle ressemblait avant? C'est complètement craqué. Faut avoir fait je sais pas combien d'années d'études, c'est un truc de malade. Et Eh regarde ça, ben, mais. tu Pardon. seras. Tu sais pas, tu connais un petit peu les temples hindous. Nous, on en a à La Réunion, ils sont très Attends, colorés. regarde la taille! Le truc, Oui, il fait 4 c'est clair. mètres de long! Il y a C'est même la craqué! chaire sur le côté. Oh là là Les là là. confessionnaux, vas-y, Bob, viens te confesser, mon fils. Oh oui, hop. Je t'attends. Je peux. Oh, bonheur, bonheur. Confessez-moi, tu vois, un petit peu. Attends, c'est par là que j'entre? Non, c'est de l'autre Non, dans côté. l'autre en face. Je sais pas, je me suis jamais confessé.
Ah merde. Ferme la porte, tu dois pas voir D'accord, ça. Ah ouais, ça va. Mon père, j'ai pêché. J'y arrive pas en fait. J'essaie de pêcher mon père très fort là, mais j'ai beaucoup de mal. Essaye de foutre le feu au confessionnal. Ouais, c'est pour ça. Mon père, j'ai pêché. Voilà, j'ai mis un creeper dans le confessionnal. Plus sortir! Qu'est-ce Plus que sortir d'un ce creeper te recours! suggère, mon fils? J'ai une expansion de l'espace, une mise à feu si je peux me permettre. Regarde, regarde, en plus il est mignon le creeper à travers la vitre. Ouais, Enfin, on va confesser le creeper. oui, non, attends, attends, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Non, reviens, reviens, reviens. Vas-y, attention, hop, tac. Oh non, non, il Ah, reste en plus, il a l'air d'un sorti! prêtre. Attends, en plus c'est un prêtre. Attends, mais il reconnaît le fait que ce soit des. Ah non, non, là ça me met un cuistot. Non, en fait, c'est complètement aléatoire, on a eu un coup de bol en fait. Ouais, ça Donc doit on être le va. forgeron. Allons sortir de cette cathédrale et profitons de la tombée de la nuit. Putain, regarde l'entrée. Où ça, où ça? L'entrée, là, il y a une sorte de. Bon. D'accord, je vois. Je vois, je vois, je vois, Ok, mais mon alors Dieu, je vais mon Dieu. remonter sur le truc avec la Try, dague. try, chers amis, derrière. La tour! Enfin, je sais pas si on appelle ça une tour, en fait. Je crois que c'est un mot. C'est pas le clocher quand c'est une cathédrale, Si, si, ça doit être le c'est... clocher. Mais y a un mot pour ça. Regarde ces jardins par là. Je t'ai Je suis à perdu. gauche C'est de bon. la cathédrale. Je t'ai retrouvé, je t'ai retrouvé. Regarde aussi le parterre là, juste là. Juste devant Oh! ce bâtiment là. Oui, je vois cette espèce de grande croix rouge. C'est quoi? C'est pas une croix de Templier? Ça y ressemble pas. Qu'est-ce que c'est? Alors attends, Bon, je ouais. vais regarder la Seconde. carte. Où est Bob Lennon? Je suis Ah là. bah, t'es juste à côté. Je suis là, je suis là. Ah, t'es en bas. Ouais, c'est ça. Je suis Ouais, on redescendu. dirait une Je... croix des Templiers. Mais ça Non, doit non, non, faire non. référence à un bâtiment connu. Bien évidemment, mais je... C'est juste que. Oh, tiens, ce serait français? Putain, mais je suis vraiment une truie, quoi, en termes d'instruction. Ah C'est bah, on juste mon. peut pas réviser son Assassin's Creed et puis être bon en géographie, hein. Ah ben le jour où ils font un Assassin's Creed qui se passe à Paris, je suis sûr que les bâtiments, je vais les reconnaître après. Mais malheureusement, ça va pas être possible d'ici là. Je veux dire, c'est absolument magnifique. Tout l'éclairage a été fait et surtout, il essayait d'imaginer, de visualiser. Prenons un bâtiment au pif, Fanta. Un bâtiment au pif qui n'est pas un bâtiment culturellement Alors, je incroyable t'ai ou. perdu sur la carte, j'imagine que t'as dû en sortir. Non, c'est parce que toi, t'es trop au Oh, sud de. un moulin rouge! Oh, ça m'intéresse, ça. Ça m'intéresse, ça. Oh, Alors là, comment on est ça dans y est? la partie qui est en cours de construction, donc elle n'est pas entièrement terminée, mais c'est bien le moulin rouge. Et il y a un carrousel juste avant. Puf, 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 le moulin rouge. Oh, et Oui, si petit mais que ça? il est en cours de construction. Ah, Oui, c'est d'accord. pas énorme. D'accord, mais je me disais aussi. Je vais repartir là où c'est construit. Regarde aussi bah, ces magnifiques ponts, ces bords de rue, là où je suis, au bord de l'eau. Fanta, par contre, donne-moi du rêve. Entrons dans un bâtiment au pif. Regarde, tu vois cette maison là en face qu'on va, tu sais, cette espèce Ouais. d'immeuble. Entrons-y Avec pour un le petit pif. kiosque à journaux. Oh, il y a un kiosque à journaux à côté. Ah, oh, c'est élite. Ah, oh. Oh, bon, on va commencer l'attentat ici. Voilà. Donc. Tu l'as activé? Oh. Non, non, pas encore. Oh, il y a un creeper qui se balade. Voilà, rentre dans le bâtiment par contre, Fanta. Ouais, il y a Pardon, un creeper qui se excuse-moi. balade. Non, non, mais ils habitent ici, ils habitent ici. Alors, on Montons monte. à l'étage et essayons de visiter un appartement parce qu'il faut savoir que tout a été meublé, chers amis. Tout a été meublé. Pff, allez, mais Voilà, mais vas-y. c'est ce qu'on appelle du travail minutieux. Et là. Complètement craqué. Il y a des livres, il y a des chaises, Et des je veux dire, tables, ils des. font ça que pour leur propre plaisir. À la base, ils n'ont pas fait ça pour envoyer ça au Fantabop Show. Le gars, Exactement, il a. ils sont contre fous. Hein. Enfin, non, je fais pas d'offense, mais je veux dire, c'est le frigo, tout a été. Ah, tiens, un truc a été pris de décube, ça, par contre. C'est pas grave. Enfin, pris de décube, en même temps, j'ai pas la Le priorité sur toutes monopole, les idées. C'est ça, sur toutes les idées de l'univers, mais ça y ressemble, c'est coïncidence. Une cheminée qui est là. On va y mettre le feu, d'ailleurs. Voilà. voilà. Des lits. C'est juste incroyablement magnifique, quoi. Je veux dire, c'est. Bon, Là, ils ça ont un doit choix être de couleur. quoi? La voire, une buanderie peut-être? Qui est assez aléatoire, mais je. Voilà, au feu les Enfin. pompiers. C'est pour ça. Donc, oui, là, c'est le début de l'attentat. Est-ce que tu veux te mettre à une fenêtre, Fanta, et faire semblant d'être en péril? Ouais, bah là, ça y est. Juste devant le Faisant. kiosque à journaux. À C'est ça. l'aide! Faisant au secours. Mais que fait la police? Que font les pompiers? Spider-Man, tout À ça? l'aide! Voilà. Et là, je vais Oh sauter, je vais faire mon Yamakaki, je vais sauter sur mon Dieu, ça prend le bien! rebord.
Encore une fois, Bob Lennon, à l'aide. Hop là. Encore une fois, total respect au créateur de cet endroit. Hein. C'est juste voilà. 50 plus formidable. Donc, il s'appelle Olivier, il bosse avec une vingtaine, une trentaine de personnes. Et une minutie hors du commun. Oh, un petit carrousel, regarde. Je t'avais dit tout à l'heure le petit carrousel qui est absolument magnifique. Je t'envoie une vitesse au passage. Voilà, ouais, ça servira, merci. Oui, c'est magnifique. Donc je disais, total respect, chers amis. Je viens de mettre le feu à un bâtiment, mais ça c'est pour le lol, c'est parce que c'est une copie. Mais je veux dire, globalement, en vrai, j'oserais jamais toucher un truc comme ça. C'est... Ouais, à vous, l'attentat du métro de Paris, hein. C'était où? Non, sincèrement, non. Je veux dire, c'est ça. J'étais où? C'est vrai que j'étais où? T'as rien à dire aux familles? J'ai pas fait exprès. Pardon. Pardon aux familles, tout ça. Oh, c'est quoi ça? Regarde, il y a un nom de rue encore. Résidence Le Lys. Bah pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. C'est... Ah, là-bas, il y a autre chose. Il y a une autre cathédrale ou basilique. Oh, et là, il y a une espèce de petite entrée, de petit parvis. Est-ce que ce serait pas un hôtel? Overlook. Oh putain. Non, mais dis pas que c'est le. Non, quand même, j'ai eu peur. C'est un overlook, mais c'est pas l'overlook qu'il y a dans Shining. Ah, c'est possible, qu'est-ce que t'en sais? Bah, parce que j'ai vu le film, mais l'overlook se passe c'est en montagne déjà. Mais ce que je veux dire, j'ai mis le doute tout à tout, mais ça y ressemble pas. Je suis persuadé que ça y ressemble pas. Enfin bref, mais à Paris, il doit y avoir peut-être un overlook, ou en Angleterre, je sais pas, j'en sais rien du tout. J'aurais dit que. Putain, mais regarde ça! T'es ouf, enfin. Ah ouais, non, mais je suis parti dans l'hôtel en fait, là, je suis dans. Pour ça, j'entends des portes qui s'ouvrent. Moi, je suis passé par l'entrée et l'entrée est absolument phénoménale. Toutes les décorations, réception, mon Dieu. Ouais, je ça me rappelle le coup de. Pardon, de dans les 15 commandements, Michael Youn qui. Tu sais, avec leurs potes, ils font rentrer plein d'animaux de la ferme dans le. Ouais, dans les 11 commandements. Dans un hôtel de luxe, ouais, voilà. Au début, ils passent avec des canards, puis après, avec les valises dedans, il y a une chèvre. Enfin, regarde un petit peu vu de dessus ce magnifique jardin. Oh là là là. Je peux y mettre le feu pour le. Ouais, bah si ça te défoule. Ouais, non, mais pour les archives, tu sais. Je vais zoomer un petit peu sur les noms de ceux qui ont participé. Donc, a priori, ils ont mis leur nom. Ah non, c'est, ça n'a rien à voir, c'est du latin. Tito Clementis, ah. Principi, Sifus, machin, Virtus, Sola, Pietate. Bon, super, il y a des gens qui nous auront l'amabilité de nous faire la traduction. Et maintenant, regarde le jardin. Oh. Senatus, Populusque, Romanus, Divo Tito Divi, Vespinani, Filio. Ça fait classe. Ah, oh, purée, elle est jolie ce bâtiment. C'est l'hôtel dont on sort là? Oui, l'Overlook. Purée, la classe. La classe. C'est... Vous savez quoi? Je, depuis tout à l'heure, je dis que ouais, c'est une sauvegarde, c'est une copie, tout ça. J'y mets le feu, je mets de la TNT, machin, ça et tout. Mais même moi, là, devant l'étendue du travail, je suis démoralisé. Je peux pas faire d'attentat si je peux pas tout faire péter. Là, c'est juste pas possible. Il me faudrait à peu près autant de main-d'œuvre que j'en avais avant. Il me faudrait 5000 larbins au moins pour poser de la TNT à l'infini. Tu es où, merci. Mon petit Bob? Là, l'université a l'air très prometteuse. Je prends la carte et je te rejoins. Tu es sorti de la carte, donc j'en déduis. Ah non, je suis sorti de la carte. Ouais. Je suis sorti de la carte, donc j'en déduis que je suis paumé. Par rapport à l'Overlook, on se retrouve devant l'Overlook. Ok, j'y suis, ça y est, pas de souci. D'accord, attends, si je vois les jardins, je vois la map. Regarde le drapeau français là. Ça, c'est une université. Enfin voilà, ceux qui s'emmerdent sur Minecraft, ben voilà, les gars, réveillez-vous. Hein. Exactement. Alors je sais qu'aujourd'hui, chers amis, c'est pas non plus les bateaux pirates dont se tire dessus, la folie, le lol, ce machin, et tout. Non, mais là, j'avoue, enfin, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite émission juste purement pour la beauté des architectures. Mais ouais. Je sais pas vous, je suis obligé, Fanta, je suis désolé, couvrez vos oreilles, ça me scie le fion, voilà, c'est dit. Voilà. C'est... Moi j'étais un petit peu hésitant, je me suis dit c'est tellement beau que ça va être trop sérieux, mais bon en même temps c'est tellement beau. Oh là 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 là. Bibliothèque. Université François Rollin. Sympa pain, l'utilisation des. Accès interdit. Professeur Langdon, symbolique religieuse, mort de mécanique incinératrice, professeur Layton. Donc vous avez possibilité d'aller sur ce serveur, vous aurez l'adresse dans le descriptif de l'épisode, j'imagine que ça risque de saturer un petit peu. Sachez qu'au point de spawn, vous avez
une l'antichambre des quêtes, et en fait ils proposent des quêtes oui. comme dans un monde d'aventure, mais ce sont des quêtes d'une heure à 3 heures chacune, où Exactement. Vous allez parcourir la ville, soit pour faire du parcours, soit pour trouver des indices, soit pour plein de choses. Tout à fait, et je propose de leur montrer d'ailleurs. Elles sont cohérentes, hein, oui. Je propose de leur montrer d'ailleurs cette antichambre si on arrive à la retrouver. Au passage, petit souligne et petit clin d'œil à ceux qui ont créé cette map magnifique. Dans l'université, dans l'accès interdit, tu as des plaques qui montrent les noms des professeurs et leurs fonctions. Professeur Layton qui s'occupe des énigmes puériles, tout ça. Et il y a le professeur Tim qui s'occupe des mécaniques quantiques. Et c'est un clin d'œil à Red. À quoi ? Bah, je le dis, à Braid, un jeu qui est sorti sur... Ah d'accord, je croyais que c'était Team de Incredible Machine. Et qui a probablement relancé à lui tout seul l'industrie indé. C'est-à-dire l'indé, ça marchait très bien avant, ça vivait Braid, très bien. Mais Braid a tout j'étais heureux quand il est sorti sur PC parce que je n'ai pas de Xbox et j'ai bavé dessus pendant longtemps. Tout à fait. Et le héros donc, du jeu qui s'appelle Team ne fait souvent des voyages dans le temps et bien évidemment se base sur beaucoup de travaux einsteiniens et notamment sur la bombe atomique. Enfin, ce n'est pas les travaux d'Einstein, mais tu vois ce que je veux dire. Bref, quantique, Team... Voilà, veux-tu aller voir Fort Boyard ? Oh oui ! Invite-moi, enfin, téléporte-moi, fais quelque chose. Alors attends, là je suis près des bateaux. Si, je pense que c'est par là, hein, si je m'en réfère à la map. C'est où ? Je me suis accéléré avec une potion de vitesse de level 2 et je vole à full vitesse. Techniquement, je me sens comme un avion XCOM. Alors, je crois que je suis un petit peu paumé. Gaston Dreyfus dans la place. Gaston Dreyfus. Ah non, c'est... Hop, alors désolé, je fais un petit échappe pour pouvoir basculer où je suis. Fort Boyard doit être sur la gauche. Le gars qui hésite complètement. Non, mais ça se voit sur la map, Fanta, si tu avais la map... Ouais, mais j'ai la map sous les yeux, là. Eh ben, non, mais la map classique, la petite map. Derrière toi, Fanta, fais un 180. Ah ouais, je suis en plein la direction. Ah non, c'est toi qui es en plein la direction. Non, c'est moi, ça, voilà, c'est ça. Puis tu es un peu sur la droite. Voilà. Bien joué. Excellent. Ouh, ouh, un bateau. Feu. Donc là, c'est carrément des docks qui sont très bien réalisés. Excuse-moi, mais ce bateau est en neige et en laine, donc je peux difficilement... Enfin... Comprenez. À savoir qu'ils ont fait des parcours pour le Fort. Bon, c'est pas l'attraction la plus jolie, surtout que des maps Fort Boyard, il y en a eu. Ils ont fait un parcours complet depuis l'entrée jusqu'à la fin, exactement comme dans la télé, avec des épreuves. Et tout. Avec des nains et tout. Enfin, pardon. Et puis des femmes en petite tenue. Non, en tenue serrée. Serrée, mais laissant un clivage important. Allez, je suis à l'entrée là et je me prépare à aller casser la gueule au père Foras. Mais. Ah mon dieu. Sorti. Ah ça y est, c'est bon, j'ai bien mis le feu au bateau là. Felindra, la tête de tigre. Je suis dans la salle avec les plaques de pression. A toujours fait marrer Felindra parce qu'elle tire toujours la méga gueule. C'est vraiment, tu lis elle sur fait peur, ses lèvres. Elle fait peur, hein. Non mais tu lis sur ses lèvres, je suis vraiment pas payé assez pour ces conneries. C'est clair. Ah, le problème de vitre n'est plus un autre boulot. Vous êtes dû à la croix, il se situe perforat. Attends, où ça ? Ah là, il y a un plan. Ça, c'est une blague, j'imagine. Le problème de vitre n'est plus un autre boulot. Vous êtes dû à la croix, il se situe. Donc ça doit être... Ils ont dû faire une petite... À côté, il y a un plan. Mais en fait, s'il y a, c'est que je vois qu'il y a une vitre là qui est cassée... Ben voilà, bon, on n'aura pas l'occasion de casser la gueule au père Fouras. Si, regarde, c'est valide, regarde, il est là le père Fouras. Vas-y, regarde. Tiens, voilà une épée, cogne-le. Tu vas me la donner, cette clé. Moi, j'ai toujours rêvé que, tu sais, les gens, tu sais, après l'énigme, qu'en fait, tu sais, il saute de la tour, waouh, et tu sais, il plonge dans l'eau, mais genre 50 mètres de chute libre et il tombe dans l'eau. Mais tu sais que la tour elle explose après. Tu sais, avec le père Foras. Moi j'adorais quand les inconnus ils ont jeté le père Foras par la fenêtre parce que l'autre. Mais c'est ça, mais non, mais t'imagines le gars il fait le méga plongeon quoi, t'imagines juste après. Non, tu as trouvé l'énigme. Ah, je me casse. Et tu sais, le gars il saute et ça explose derrière lui, ce serait magique. Bon, il faudrait remplacer le père Fouras à chaque fois, mais c'est trouvable. Je te propose d'aller un petit peu par ici. Ah bah j'en venais. Qu'est-ce qu'on fait ? On va au bureau des quêtes ? Un petit slash home ?
Exactement. Enfin, si je puis me permettre, remplacer les perforas, c'est faisable. Hein. Je veux dire, depuis quand la télé manque de vieux oh. Surtout que c'est un jeune qui est déguisé. Hein. Ouais, en plus, ouais, c'est pour ça. Qui est sans doute pas assez payé pour ses conneries encore. Voilà, donc, oui, en plus. simple. Oh là là, ça a l'air joli, ça. Enfin, tout a l'air joli, voilà. De toute façon, on va pas y passer 3 heures. Je pense qu'on peut aller à l'antichambre des quêtes pour vous montrer un petit peu ce qu'ils vous ont préparé. T'as vu, c'est cool la vitesse. Hein, ouais, ouais, ouais. Et là, tu vois, par en dessous, il doit y avoir un accès aux catacombes. Il est là. Et aux égouts. Aux égouts. Bah attends, je vais y jeter juste un œil pour le alors, LOL. On va casser, on va casser. Effectivement. Ouais. Alors, il y a les égouts et les catacombes. Ah, ça doit être les catacombes, mon petit Bob. Mm-hmm. Et je suis navré de vous l'apprendre, chers amis, mais je vais briser une légende urbaine. Il n'y a aucun enregistrement depuis les 100 dernières années qu'on ait trouvé un crocodile dans des égouts en Europe. Si. Non, pas en Europe, je suis désolé. Dans les égouts de Paris, il y a eu des cas d'alligators, hein. Alors non, il y a eu des cas de beaucoup de cadavres et beaucoup de crânes, mais parce que c'était des catacombes, c'est le principe, mais des alligators. À vérifier, mon petit Bob. Je suis désolé, mais... Est-ce que tu es descendu dans les catacombes avec moi? Oui, je suis même ressorti par le haut. Parce qu'elles sont hyper grandes, en fait, hein. Tout à fait. Je vais me faire un petit TP sur toi, c'est pour montrer, voilà, accès métropolitain. Il y a même un accès au métro depuis les catacombes, si c'est pas beau, ça. Je vais retomber à la flotte, moi, mais... Et là, je me retrouve dans le métro, carrément. Ça, c'est la classe. Carrément. Ouais, comme dans Modern Warfare 3, ouais. Avec les rames de métro qui explosent, ouais. C'est comme dans Rambo, ouais. C'est n'importe quoi. C'est énorme, c'est énorme. Là, le petit passage que je vous ai montré, les gens, j'espère que vous avez apprécié. Je vais sortir en défonçant la porte. Je vais faire tout à fait. Et je vais retourner à la salle des quêtes pour montrer un petit peu ce qui a été préparé. C'est vraiment pas accessoire, hein, ce qu'ils ont fait, leur quête. C'était. Attends, retourne-toi 5 secondes. Oui, voilà, d'accord. Excellent, donc ensuite. c'est pas accessoire du tout. Hein. Les quêtes ont été fignolées pour vraiment vous donner 2-3 heures de gameplay assez sympathique. Tout à fait. Des quêtes que vous pourrez trouver. En allant par ici, alors tu ne voleras point, tu fermeras pas les passages ouverts, attention, tu X, voleras point, je crois que c'est un prendra peu des notes, consultez le topic des quêtes sur le forum de Canard PC, on les salue. Alors, vous avez la difficulté, et en fait, commissaire, un gredin déboré, voilà, et en plus il y a un petit roleplay qui a été préparé. En plus, il faut savoir que c'est à la fois en anglais et en français, hein. C'est-à-dire il y a les quêtes en français, et il y a les quêtes en anglais d'un côté et de l'autre. Il y a un petit panneau derrière qui l'indique. Donc, la guerre mondiale dans le monde, trop fort. Ah, c'est pas mal ça. La guerre mondiale dans le monde, oui, pourquoi pas. Je pense que c'est de l'humour. Jean Rochefort derrière les caisses. Non, c'est une belle tautologie. Et j'avais vu Da Vinci Code, ouais, pourquoi pas. L'assassin politique, celle-là, elle me questionne. Est-ce que c'est en rapport avec le bordel de Sarajevo, Kennedy? On sait rien. Enfin voilà, moi j'ai envie de dire l'art du travail bien fait, quoi. Exactement. Très, 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 très impressionnant. Oh, miséricorde. En tout cas, chers amis, moi, ce que je vous propose, c'est, je ne sais pas à combien on en est là-dedans. Et c'est quoi là-bas? Ah bon, on est au moment où, en fait, on les conseille d'aller voir le serveur, de saluer éventuellement les auteurs, et puis de les remercier pour ce magnifique travail. Ce travail absolument incroyable, et tout est meublé, je rappelle, tout est faisable, tout est réalisé, c'est leur jeu à eux. Ils ont tout fait sans aucune forme de pitié, avec de l'humour, avec des clins d'œil, avec un réalisme absolument incroyable. Je veux dire, s'il y avait une map à présenter pour montrer un petit peu la capacité de Minecraft à être une forme d'art, celle-ci pourrait en faire partie. Ouais, tout à fait. Une forme d'expression, du moins, dirais-je. Voilà, en attendant, il y a de quoi s'éclater. Moi, j'apprécie beaucoup le fait que les rues ont été parfaitement pensées avec les pavés, les machins. Il y a vraiment toute une infrastructure de ville. On se croirait dans SimCity. D'habitude, les gens, quand ils font des bâtiments, il y a un joli bâtiment d'un côté, un joli bâtiment de l'autre. Non, là, il y a une cohésion totale des architectures, des ambiances. Enfin voilà. Tout à fait. Tout à fait. Je vais t'inviter à en finir sur un plan absolument magnifique de la tour centrale, si j'y arrive. La tour centrale, c'est le point de spawn. Le point de spawn, tout à fait, hein, bien sûr. D'accord, donc j'imagine que ça va sauter. Bien sûr. C'est l'objectif. Et c'était quoi ce gros bâtiment juste derrière, hein? Le palais de justice, à ce que j'ai lu. D'accord. Hop.
Donc C'est bon, c'est bon, voilà, c'est bon. Minecraft c'est bon, mangez-en. Hein. Minecraft, c'est bon, Minecraft, c'est beau, c'est incroyable. Papa, maman, si vous regardez cette vidéo, laissez vos enfants jouer à Minecraft parce que c'est beaucoup plus avancé que tout ce qu'on ne peut jamais escompter. Et surtout, ça vous évitera d'acheter des Lego à con pour Noël. Voilà. Ouais, c'est clair, hein, c'est Infinited. Exactement. Alors, je vois pas où tu es, mais c'est pas grave, je vais Derrière taper tes lettres toi, quand même. je suis là. Ouais, Hop, je suis là. regarde ça d'en bas pour le prestige, pour le plaisir. D'accord. Attention, attention, Le je vais Lennon me en tenir action. dessus. Rien que pour la beauté de la forme. Eh bien, écoutez, chers amis, j'ai la voix complète en défense. Je vous fais à tous de gros bisous. Fanta aussi pour le LOLs. Merci, Fanta, de nous avoir fait découvrir cette map absolument incroyable. Merci à Merci toi. d'avoir regardé De l'avoir détruit sans aucune pitié. ce Fantabob Show. C'est une copie, on s'en fout. Fais péter! Oh! Ha ha! Oui! Ha ha ha! Ah, j'adore faire ça! Ah, mon Dieu! C'est la classe! T'as vu, ça rend bien en Ah plus! oui, c'est ça. Ah, donc voilà, chers amis, cette map est Bob Lennon Proof, contrairement à ce que je montre, pour la bonne simple unique raison qu'elle a tellement de PV, cette map, qu'elle est Bob Lennon Proof, c'est Et tout. profitez de nos vidéos tant que Bob est en liberté. Merci infiniment en tout cas. Et à Gros bisous à bientôt. tous. À la prochaine.